Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du nombre 888. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Alors symboliquement, le nombre 888 est associé au Christ, à la résurrection, au baptême et à la rédemption. Il symbolise les forces christiques répandues sur terre, dans les 888 premières décimales du nombre pi, le nombre 8 revient 88 fois. Petite analyse du nombre 8. Le 8 est une énergie très puissante, fondamentalement très puissante, que ce soit dans la personnalité ou dans les cycles. On le retrouve ici sous une forme décuplée, mais aussi sous sa forme triple ou ternaire. Sous cette forme, son pouvoir devient immense et le karma prend ici une dimension beaucoup plus impressionnante. Si l'on réduit théosophiquement le 888, on obtient le nombre 24, qui encore réduit nous donne un 6, qui sera l'essence finale du 888, un 6 ou un 24 particulièrement puissant. En effet, le nombre 6 fait partie des énergies faibles. Des neuf nombres de base comme le 2. Le 24 est une vibration assez fragile en règle générale. Ces trois nombres 2, 4 et 6 sont des nombres totalement yin. Mais le 8 est aussi une énergie yin. Donc avec le 888, le principe féminin reste dominant. Toutefois, le 8 et donc le 888 font partie des nombres les plus forts et les plus puissants. C'est ici que je rejoins certaines sources disant que le 8 Yin est un faux yin car il a la puissance, la force et la détermination du yang. Le 8 est associé à l'élémentaire, le 888 en contient aussi les caractéristiques et il va œuvrer sur les trois plans. Le plan matériel, le plan émotionnel, qui est aussi le plan astral et le plan spirituel. Il symbolise l'infini sur ces trois plans d'existence et dans sa dimension verticale et ternaire. Si l'on reprend le 24-6, vibration très fragile mais venant d'un 888, alors cela change tout et rend le 24-6 particulièrement fort et solide. En conclusion, il faut toujours analyser la source d'un nombre, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, qu'il soit composé de 2, 3 ou plusieurs chiffres, car l'influence sera toujours différente au niveau du nombre final. Si vous avez un 888 dans votre adresse ou ailleurs, numéro de téléphone, dans tout autre ou dans tout autre numéro personnel, ou si vous le voyez à l'extérieur, où que ce soit, en récurrence, alors son message est lié aux notions de puissance, de force réalisatrice, de combativité, de réussite, mais aussi de karma, d'équilibre à maintenir et parfois, dans certains cas, de prudence et de mesure à avoir, pouvant toucher les trois plans de l'existence déjà cités par ailleurs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur la numérologie. Salut!